Bienvenue dans le monde de Valheim avec Sosox et Plume Noire dans Sosox World, épisode 1, c'est parti. Hey, enchanté, moi c'est Petite Plume. Il faut se construire une maison. T'es mal barré. Tu fais quoi, une autoroute? Ouais, ça tient. Attends. Ah, ça a pas tenu là. Alors pour manger, tu sais comment on fait? Faut que je l'apprenne à déglutir sa nourriture. Alors tu ouvres la bouche, tu mets le manger dedans. Je laisse ouvrir la porte. Inauguration. Une maison avec une porte. Maintenant, il faut un toit. Alors, on peut pas couper les arbres hein, pour l'instant. Comment? Parle dans ton oreille, j'entends rien. J'en ai coupé quelques-uns. Avec quoi t'as coupé? Ouais, mais oui, c'est vrai, je suis con. Il y a la hache. Attention, ça tombe. Fais gaffe, hein. Tu joues au Mikado? Qu'est-ce que tu fous là? Ah, la hache, elle est bien. Aïe, 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 ça va pas du tout, ma chérie. Toi, morphologie en arrobase. Je vais finir le toit, un feu, une cheminée. J'aime bien, t'as mis des poutres en dessous de la maison, mais elles tiennent rien du tout. Ça touche même pas la baraque. Faut mettre un bout de papier pour caler. C'est horrible. Regarde, tu vois, j'ai fait des aérations. C'est dangereux. Ah, 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 ah. J'entends rien. J'entends rien. Il y a des petits problèmes de port. J'entends trop là. Là. Tu t'approches doucement dans le dos. Putain, il est pas tout à fait mort. Genre, l'autre il se sauve, t'es comme ça en train de ramper derrière, tu sais. Oh, il y a la lune qui se reflète dans la rivière. Comment c'est trop beau. Je fais deux haches en silex. T'auras un cadeau quand tu vas rentrer sur ton lit. Alors, hache en pierre. Voilà, hache en silex. Trop bon. Tu veux essayer? Va chasser avec ça, tu verras, c'est beaucoup plus facile. Oh. Ah. J'ai réapparé la porte. Hop, là-bas. Wow. Oh, quel tir! On n'a pas vu encore de forêt noire, mais ça va pas tarder. Non, mais j'y vais pas, moi. Oh, y'a un troll! Regarde, un troll à gauche! Non mais il tire pas dessus! Oh bah ça y est, tu l'as tiré vers nous! Il m'a vu! Ah! Au secours! Ah mais j'ai plus de stamina! Ah! Mon arc est pété! J'ai des flèches mais j'ai plus d'arc! On va la voir, je vais prendre la hache! J'ai vu une fille d'endurance! Wow, il a tapé plus fort! Ah oui! Je l'ai eu! C'est vrai? Tu m'attends 5 minutes, je fais caca. Je te signale que t'es en live là. Ou alors tu veux qu'on se fasse une autre maison ici? Regarde, il y a des buts de maison. Ah ouais? M'en fous, j'ai pas besoin de porte moi. Je suis un rebelle. Ouais, on s'en fait une ici, c'est bien. Tu vois le sol comme il est pourri. Pour réparer, prends le marteau. Mais il faut un établi. Et tu répares le sol. Aussi. Eh, hey, pas sur la maison. Pas sur la maison, là. Tu vas casser la maison. Tu vas casser la maison. Oh putain. Cette maison toute neuve. Voilà. La bonne viande. Ah ouais. C'est bien comme ça, des lits superposés. Non, attends. Regarde ça. On va chercher. Ah bah c'est vachement bien. Encore pire qu'avant. C'est vraiment de la merde cette maison, putain. Ah mais... Tellement de loin, quoi. Oh putain, quel bel éclair.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le droit de dormir quand je suis mouillé. Ah ben voilà, on dort. Bonne nuit. En fait, non. Hey, j'ai atterri sur le toit. C'est nul. Ah, moi, non. Je... Attends. Le mot de passe, c'est tout. C'était Plume. Ouais. Bah super, je dis ça en ligne. Sosox et petite Plume. Salut, je m'appelle Corax. Je vais te montrer comment on coupe les arbres. Ah. Bam, c'est fait. Hop, 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 hop. Et voilà. Viens, on se fait du tir à l'arc. Est-ce que tu vois le rocher là-bas? Oh, elle est partie tellement loin. Je vais te faire un cadeau, comme je passe par là. Potion. Tiens, un cadeau. Il va y avoir dans le coffre. L'hydromel. Waouh. Je peux t'offrir du boudin ou des saucisses. Ciao, à demain. Je serais curieux de voir ta baraque. Alors, t'es où toi? T'es loin. Putain. Oh, il y a la mer. C'est beau. On va être bien là. Attends, attends, je vais chasser. Jour 9. Ouais, jour 9. Je suis en train de me noyer dans un mètre d'eau. Oh, il y a un village là. Ouais, il y a pas loin, il y a un village, ouais. On devrait construire là, s'il y a la mer. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier. Il est où le sanglier? Putain. Je crois que si je tire bien haut là, la flèche, elle me retombe sur la gueule. Peut-être. Elle est partie là. Elle revient. Elle revient, elle redescend. Wouah. 2 mètres ou 3 mètres devant moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu kisses tout. D'accord. Ah, ah. Faire un banc en bas de ce chêne. J'ai fait un chemin qui va jusqu'à l'arbre. Putain. Il est parti. Putain. Ouh, je crois que c'est de la forêt noire là-bas. Putain, on est à côté de la forêt noire quoi. Tu dors là? Ouais. Il est trop exposé le mien, comment ça se fait? Le lit est trop exposé. Ah c'est bon là, il est plus exposé. Non, il est trop exposé aussi. Là, il faut juste un truc ici là. Attends, je vais cuire de la viande en attendant. Ah. Ah. Ah merde, il est posé à la chaîne d'eau. Mais non, c'est toujours pas bien exposé là. Les chiottes de Shrek. Ah, bah voilà. Ah c'est bon. En fait, t'es une petite nature, hein. T'es une petite Plume. J'ai coupé un arbre, il y en a trois qui sont tombés. Oh, j'ai fait tomber un boulot. Mais non. Mais si. Mais, j'arrive pas. Et viens, essaie de me... Voilà, pousse. On le fait prendre de l'élan vers le bas. Il va se péter. Putain, ça m'a fait mal. Wouah, comment ça m'a défoncé. Bah, hey, je suis en train de couper un arbre, hein. Dommage, le collatéraux. Ouah, l'arbre, il partit en toupie. Tu verras, ça a bien changé la maison. Bah, j'arrive. Wouah. Putain. Vas-y, je t'en mets là. Là, je te mets du bois, là. Il faut un toit. Un toit pourquoi? Ah oui. Pour utiliser ta bille. Ah mais parce que le sol là que t'as fait c'est pas un toit. Attends, j'en fais un vite fait. Hein. Non mais... Ah bah je peux plus construire. Il est mort mon truc. Ah merde, le marteau. Ouais. Ah, ça c'est le vrai problème ça. Pavillon Sox. Si tu en fais un magasin, je l'appellerai le Sox Shop. On va dire que c'est l'atelier ça. Aïe, je me suis fait mal, je me suis cogné le doigt de pied contre une pierre. Tiens, c'est un visiteur qui me l'a laissé. Oh, t'as des visiteurs comme ça qui te donnent de la boisson et t'acceptent. Je vais dodo moi.
Ouais, ouais, d'accord, j'arrive. Petit truc. Voilà, c'est marqué que c'est notre chambre. Allez, dodo. Ouais, j'ai mal à... L'éclair, il était trop beau. En plus, il a reflété sur le parquet mouillé. Qu'est-ce qu'il faut, là, maintenant? Hache en silex, elle est nulle à chier, en fait. Ah, mais c'est pour ça que ma hache en silex était de la merde. Parce que j'avais une hache en pierre, en fait. Je me suis trompé. Ah ouais, non, mais c'est pas la même, hein. Oh putain! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai coupé un arbre. C'est ta tombe que je vois briller là-bas? J'ai fait un McDonald's. Wow, je me suis pris une partie dans la gueule. Oh, il commence à faire beau. Oh, la maison elle est trop belle, hein, de loin. Elle oh, ça c'est beau aussi, ça. Oh, le paysage là, regarde le soleil dehors. Tiens, putain, elle est partie trop loin. Ouah! un peu trop loin. Tu vois où je suis? Non. Tu me vois pas? Attends, je me mets dans la lumière, regarde, hop. Ah, je te vois. Ouah! Putain, à un mètre. Sniper. Continue, la maison, elle va pas se faire tout seul. Oui, maman. Il peut pas m'avoir, lui. Ouah, oh putain. Je peux pas t'avoir, c'est cool. Ah merde, mon arc est mort. Ça s'entend quand je fabrique des trucs, là. Oui. Oh la vache. Eh, ça fabrique sévère, hein. Et en fait, il y a des feux dehors, ils sont en train d'asphyxier la maison. Ah bon? Ah oui, c'est ça, je voulais faire un petit pont. Elle est trop belle, cette petite mare. Faudra pas la toucher, hein. Les feux, ils asphyxient la maison, c'est ça? Oh bah regarde! C'est le tien, ça, qui asphyxie la maison. Et pourquoi? Y a rien au-dessus. Il va dehors, le mien. Bah sûrement que le vent, alors il a tourné. Voilà, c'est fait. Cool. Bon bah je me casse. Allez, ciao ciao. Mais arrête! Je suis en train d'enregistrer sur YouTube. Vas-y, là. J'augmente ma compétence au point. Ouais. Attends, on saute en même temps, comme ça on gagne du niveau de saut. Je suis fatigué. Bon, on va battre Yggdrasil à deux, ça devrait le faire, non? Bon, t'as fini de cueillir des fraises, on est en mission là. On va buter du lièvre. Attends. Il y a des flèches en bois. Bon, bah, il est parti, bah voilà, hein, tu lui as fait peur. T'es prête? Voilà, là, ça va chier. Voilà. On va voir qui va suivre en premier. Oh là là, c'est tout rouge. Attends, viens dans la prairie juste en face là, non? Quoi? Wow, comme il est grand, salopard. Je le voyais pas aussi grand. Il est plus grand quand on est deux. Ah, il m'a électrofissié. Électrofissié? Meurs pas, je veux pas être seul. J'ai plus Stamina. T'aimes bien toi, hein? Il vient pas chez moi. Bam! Je l'ai eu! C'est moi qui l'ai eu! Mais il est pas plus difficile qu'un troll! Parce qu'on s'est bien préparé. On a usé combien de flèches? Une trentaine. Oui, j'ai du bois dur. Ouais. J'ai le trophée. Bah, faut qu'on retourne à la pierre de sacrifice, c'est-à-dire tout en haut, là, au début. Là. Comment ça? On pose la. Oh, oh bah, et, bah, voilà quoi. Hein. T'arrives avant moi. Attends, je veux voir ce que ça donne. Mais tu m'attends même pas pour le feu artifice, putain. Devant notre première maison. Oh, c'est trop beau ça. Activer le pouvoir. Ouf. Wow. Hey, moi aussi. Wow. Écoute ça. Regarde, je l'ai mis une flèche. On dirait un vieux trophée de chasseur là. Oh putain, c'est triste. Oh, mais niveau 7. Stamina. Ah, 2, c'est vachement bien. Tu fais un trou dans le sol. Oui, tu creuses. Oui, mais parce que j'ai faim. Oh, un bateau. La 2 même. Prends vie au crépuscule. Si vous lisez ceci, armez-vous d'une épée et restez sur vos gardes ou sortez une torche. Car les flammes, ils craignent. Il y a Géomagnète qui dit que ça fait peur.
Là là, ça fait peur ici, qui dit. Mais dégage, oui, j'apporte des nouvelles. Salut, guerrier. Guerrier à deux fronts. Run. On est parti. Attends, j'ai entendu un grognement de bandit. Un grognement de bandit. Un grognement de loup. De loup ? Il y a des loups ? Ah, mais non ! C'est un grognement de panda. Mais oui, c'est un grognement de panda. J'ai cru que c'était un troll. Putain, j'ai entendu la grenouille. Je me retourne partout, je regarde où c'est et tout. Je me dis merde. C'est super lourd. Je peux plus bouger, j'ai trop de potions. Attends, attends, je t'aide. Pierre. 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 Raison. Salut, je me casse. J'en ai marre de toi, j'en peux plus. Bye bye. Sur le radeau. Merde, je crois qu'il est échoué ton radeau. Oh, la vieille voile. Je dérive là. Ah ouais, je suis en train de partir trop loin. Salut. Attends, j'arrive. Ah voilà. Ouais, je surfe. Il est bien. Chérie, j'ai garé la voiture. Ah ouais, on est trop bien là. Cette petite terrasse là. Comment tu t'es mis là? C'est dangereux là. Attends. Wow. J'arrive, j'arrive. J'ai raté tout le coucher de soleil. Ça y est, il est parti. Hein. Putain, mais c'est nul. C'est pas bon. Putain, j'ai failli crever. Regarde, ça va, t'es bien. J'ai toujours réussi. Regarde quand je m'assois. Ouais. Ah oh, putain. Ça aurait été trop cool. Attends, comment ça se fait? Vas-y, vas-y, moi je suis pas dans ma maison là. Ah, maison. Non, je vais dormir. Moi aussi je dors. Tout, tu dors toi. On prend Parex. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il fout là? Regarde, j'ai un oiseau juste là. C'est le sommeil. Bonne nuit. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao, je quitte. Dans le prochain épisode.